elle est née pardon, le 26 mars, donc elle ouvre le bal de la section de femelles, de la deuxième section de femelles. Une fille de Gris de Gris, née le 26 mars, je viens de vous le dire. Une origine qui s'est illustrée ce matin, puisque c'est la souche de Kissa Scioli, Orani Joli. À travers une jeune poulinière qui s'appelle Azkaban. On retrouve les références à Harry Potter, bien sûr, chez Raffani. Elle nous est présentée par Jacques Cypré et Laurent Coutil. Azkaban, une fille du très confirmé Balingari, qui a gagné Auteuil, en l'occurrence le prix Vanille. Voilà, on va la lâcher, elle va être plus libérée. On va faire un tour au pas, et puis après, un aller-retour au trot. Pas la peine d'aller jusqu'au bout, d'autant plus que ce n'est pas fermé au bout, donc on ne va pas prendre de risque. Un tour au pas et un tour au trot, donc pour le numéro 40. Rentrons sur le numérique numéro 1, où nous avons la présence du numéro 33. Alors, le 33, histoire de l'art, présentée par M. Hervé Dermaillé, elle est née le 24 février. C'est une fille de Red Link, la première génération, la deuxième génération des Red Link français. La mère est par le ultra classique vidéo rock. C'est la souche de parrain, notre père, Hosanna, Palmier, Colibet. La mère a 12 ans, elle a gagné à Compiègne, deux fois d'ailleurs. Et s'est passée aussi de bonnes épreuves à Auteuil et à Enghien. Les prix Ligne d'Or et Radio Paris, dont elle a pris la troisième place. Et puis la mère rafraîchie est la sœur d'une jument qui, dont vous vous souvenez sans doute, bien sûr, il s'agit de Cascia, lauréate du prix Floris à Saint-Cloud, et épreuve du chant classique, du programme classique des 4 ans et plus femelles, désormais dotée du label Groupe 3. On va la lâcher. Là, on lâche et on marche, oui. N'allez pas jusqu'au bout. Voilà, n'allez pas jusqu'au bout, on marche. Où en étais-je? Oui, Caspia, qui a gagné le prix Cloris, qui est désormais un groupe 3 QPS, avant de gagner un obstacle à Enghien, puis de partir en Grande-Bretagne pour avoir finalement une troisième carrière et s'imposer à nouveau sur les obstacles de Kempton Park, au sud de Londres.